Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Ilgin Yorulmaz. I'm a freelance journalist, and today we have a distinguished guest, a Nobel laureate, Dr. Denis Mukwege at FCJ. Dr. Mukwege was born in Bukavu in the Democratic Republic of Congo. He studied medicine in Bujumbura at the University of Burundi and graduated with a medical degree in 1983. To help women injured during childbirth, he continued his education in gynecology at the University of Angers in France. And in 1999, he founded Panzi Hospital in Bukavu, his hometown, where so far over 50,000 victims of sexual violence during armed conflicts have been treated. Last year, Dr. Mukwege was awarded jointly the Nobel Peace Prize with the Iraqi human rights activist Ms. Nadia Murad, an ethnic Yazidi who was abducted by ISIS-Daesh and repeatedly subjected to rape and other abuses with many other Yazidi girls and women. Sexual violence as a weapon of war and armed conflict constitutes both a war crime and a threat to peace and security. And as a surgeon, Dr. Mukwege opposes violence of any kind in the Democratic Republic of Congo, where, sadly, civil strife rages over control of rich mineral resources. And he has, in both the Democratic Republic of Congo, on both national and international level, has repeatedly condemned impunity for mass rape and criticized the government and other countries for not doing enough to stop the use of sexual violence against women as a tactic of war to terrorize innocent civilians. Dr. Mukwege is in Japan to solicit support for a fund he has launched to provide reparations for survivors. Today's speech and Q&A will be in French with English interpretation by Mr. Uzan Julien Victor. Thank you. And as usual, first we will hear from our speaker shortly, and then we will open the questions and answers. Thank you, please. Thank Mr. Mukwege. Merci. Merci à vous tous d'être là. En République démocratique du Congo, depuis plus de 20 ans, aujourd'hui c'est plus de 23 ans, que nous connaissons une guerre qui est tout à fait particulière, car cette guerre se fait sur le corps des femmes. En 1999, quand j'avais ouvert l'hôpital de Panzi, l'objectif était de prendre en charge les femmes qui venaient accoucher, mon pays ayant un taux de mortalité maternelle parmi les plus élevés. First of all, thank you all for being here today. as you may know, and now in the Democratic Republic of Congo, war has been going on for about 23 years. And this war in is particular in the fact that it's taking place more in on the body of woman. It's using body of woman as a weapon of war, as we said. In 1999, I founded a hospital in Pazu, where I was taking care of pregnant women. And with time, I realized that there was many things that had to be done. Et donc, en créant cet hôpital, je ne pouvais pas imaginer, mais la première victime que j'avais soignée, c'était une dame qui était arrivée à l'hôpital après avoir été violée par sept personnes, et après l'avoir violée, ces gens ne s'étaient pas gênés comme si ce n'était pas suffisant. Ils ont aussi tiré dans son appareil génital. Et c'était pour la première fois pour moi de voir une telle barbarie. And the first victim that came to my hospital was actually a woman that got raped by seven person. And not only she was raped, but like it wasn't enough, they also shot her in the genitals, so it was the first time for me to see such a barbaric act. Je pensais à ce moment-là que c'était un acte d'un homme qui a complètement perdu la tête, mais je m'étais trompé puisque, comme Madame vient de le dire, aujourd'hui nous avons soigné environ 55 000 femmes
avec différents types de lésions. First of all, I thought that was the act of someone that completely lost his mind, but I was wrong. As she mentioned, she was unfortunately not the last, as we had more than 55,000 women that were victims of such barbaric acts. Qui sont toutes violées, mais en plus de viols, ces femmes subissent des tortures qui vont de la destruction de l'appareil génital par les armes à feu, par les armes blanches, par des objets contondants ou même par la brûlure, brûler l'appareil génital. And not only those women are victims of rape, but also their genitals are completely destroyed. They are tortured with fire weapons, but also with knives and other contundent objects. They are also burned. Vous pouvez imaginer les conséquences psychologiques, sociales de ce type de viols qui se commettent souvent en public, où les maris sont obligés de voir le viol de leurs filles ou de leurs épouses juste pour les humilier, les déshumaniser. You can also imagine the impact, the psychological one and the social one of such rapes, since those rapes are committed in public, in front sometimes of the husband or the father who has to see, to witness his own wife or daughter getting raped to get humiliated. Progressivement, nous avions développé une prise en charge qui avait commencé par, bien sûr, la prise en charge médicale, mais on s'était aperçu que la prise en charge médicale seule ne suffisait pas pour que ces femmes puissent revenir à la vie, pour que ces femmes puissent être à mesure d'être réinsérées dans la communauté. First of all, we had the approach we had to take care of those women was only based on medicine. We were using only drugs to take care of those women. But we realized that it wasn't enough to make sure they can come back to life and to make sure they can reinsert into society. Donc à l'hôpital de Panzi, nous avions développé une prise en charge holistique qui comprend aussi bien la prise en charge médicale, prise en charge psychologique, mais lorsque les femmes se portent bien physiquement et mentalement, il faut les retourner dans une société où elles sont rejetées par le fait d'avoir été violées. Souvent, la communauté les rejette et donc il fallait les rendre autonomes sur le plan économique pour qu'elles ne puissent pas dépendre de la communauté qui les rejette. So at Panzi Hospital, we developed an holistic approach to this, not only with drugs, but also in a psychological aspect. So once the victims are good, are on the physical and the mental aspect, we try to get them reinserted into society. But in reality, when they go back to their community, they have to face kind of rejection because they got raped. So we also had to make sure they can get they have a sort of autonomy in terms of economic aspect also. Et avec ces trois piliers, lorsque les femmes se portent bien physiquement, psychologiquement et économiquement, on s'est aperçu que la question de dignité se pose, et c'est là où il y a toute la question de la justice et de la réparation. Et les femmes reviennent à l'hôpital pour nous voir. Aujourd'hui, nous avons des avocats, nous avons des juristes qui constituent le dossier et accompagnent ces femmes devant les juges, devant les cours et tribunaux. And based on those three pillars, which are, as I mentioned, to be good physically, mentally, and also economically, they can grab back their own dignity. And from there, they're going to try to have justice. This is why they come back to us at the hospital. Then we have a team of jurists, of lawyers, that helps them to go to court and fight their own case, so they make sure that justice can prevail. Avec cette prise en charge holistique, nous le faisons à One Stop Center. Ça veut dire que les victimes racontent leur histoire une seule fois. Elles n'ont pas besoin de raconter à tous ces piliers ce qui leur est arrivé. Donc elles entrent dans le système et racontent une fois. Et il y a un système de référencement
donc dans le système qui permet en fait à ce qu'elles aient toutes les réponses à un même endroit sous forme d'un menu qu'elles peuvent choisir les services qu'elles veulent, mais tous les services sont centrés sur la victime. So the holistic service we provide is, let's say, a one-stop center, which means that they have to tell their story only once. They don't need to tell it with all people responsible for each pillar. So by telling their story only once, all is centered around the victim, and we make sure that they can have a response and that they can advance smoothly. Cette prise en charge holistique que nous faisons aujourd'hui, nous le considérons comme un droit humain, puisque dans plusieurs pays que nous avons pu visiter les victimes de violences sexuelles, pour dire que dans tous les conflits, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Europe, dans le pays comme Kosovo ou les pays des Balkans, ou en Asie, en Afrique, on se rend compte que le viol est utilisé par les groupes armés ou les parties en conflit différemment, mais avec un objectif de l'utiliser pour, en fait, vaincre l'autre qui est appelé ennemi. So this holistic approach, taking care of the patient we have, we consider that as a human right. And around all the countries we visited around the globe, can be also in Latin America, in Europe, for example, in Kosovo, and in Africa, or also in Asia, we realize that in conflicts, rape is used as a weapon. It may be different depending on where it is, but the objective is the same, is to defeat the other side that is considered as the enemy. Et donc, dans notre lutte, vous avez compris que le Congo, qui a été qualifié de capitale de viol, malheureusement, sur le plan juridique et surtout sur le plan du droit international et humanitaire, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été faites en faveur de toutes ces victimes. And in our fight, as you may have heard, Congo is qualified as the capital of rape, which is very sad. We realized that there was nothing done in terms of in the juristic plan and also on the international scale to help those victims. Le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les droits de l'homme avait fait une enquête en République démocratique du Congo. Et cette enquête avait été publiée en 2010. Ce rapport s'appelle Mapping Report. The High Commissioner in the United Nations had done an investigation, which is called, what you say, mapping? Mapping Report. Mapping Report. Sorry. Et ce rapport avait mis en lumière les violations des droits humains, plus de 617 crimes de guerre, crimes contre l'humanité et même des crimes qui peuvent être constitutifs de génocide. And through this report, what we understood is that there was actually 617 crimes that could be considered as a crime of war, crimes against humanity and also genocide. Mais malheureusement, dans un pays où, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le conflit qui a eu beaucoup de morts, plus de 6 millions de morts. Aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de la population congolaise qui est déplacée interne et des centaines de milliers de femmes qui sont violées. Malheureusement, la communauté internationale a décidé tout simplement de ne pas répondre à ces rapports qui avaient donné des recommandations précise pour pouvoir mettre fin à cette crise. And but unfortunately,
in Congo since World War II. This is the conflict that has resulted in the most casualties, since we have more than 6 million people that actually died, and 4 million people that has to be displaced. They are they have to change where the place they live. So facing that situation, and even with the report, we realized that unfortunately the international community is not acting and is not doing actually anything to ces rapports demandaient à ce que il y ait une justice traditionnelle qui passerait soit par des chambres mixtes spécialisées ou alors un tribunal pénal international pour le Congo, exiger qu'il y ait en fait qu'on puisse dire la vérité aux victimes, puisque en fait une victime qui est violée de cette façon a besoin de comprendre pourquoi de tels actes sur son corps. La vérité n'est pas dite et on ne peut pas faire la réconciliation ni faire la paix si on n'est pas à mesure de pouvoir tout simplement dire la vérité, se réconcilier et avoir une justice réparatrice pour permettre à ce que la société puisse repartir sur de bonnes bases. Toutes ces recommandations du Haut Commissariat aux Nations Unies n'ont pas été, pas une seule de ces recommandations a été mise en œuvre 10 ans après. So, the point is to have justice. It can be in mixed chamber or it can be also with a court for Congo, the crime that had been committed. The thing is that we need to tell the truth. We need to tell the victim what really happened, because most of the victims, they ask themselves, why did I got raped? Why it had to be like that? To have reconciliation between both parties. We need to understand what were the motives behind such acts. And only to tell the truth, only from the moment we start to tell the truth, we can have justice. Then we can have reconciliation. Then we can have peace. And from there, we can have also the end of the conflict. So to recognize all that has happened, everything was in that report that was written 10 years ago, but even nowadays nothing has been done. Not even a single recommendation from that report has been implemented. Partout où je suis passé, les victimes demandent la fin de l'impunité. Dans tous les conflits, malheureusement, en fait, on peut voir très bien que les politiques souvent ne s'occupent pas de ces cas de viols qui sont considérés comme parfois très secondaires, alors que c'est une destruction totale de la communauté. Et les victimes demandent la fin de l'impunité, mais demandent également la réparation. So, going around the world and talking and seeing victims, we face also the same kind of problem, that some people are like immune. They cannot be touched because one of the reasons is for politicians, rape is something very secondary. It's not very that important. But in fact, it's completely destroying the victims. So it should be taken care of with much more a serious approach. So that's why we try to see how we can arrange this with the communities. Et donc, cette demande de réparation nous a amené depuis plus de 10 ans, effectivement, de pousser la communauté internationale à avoir un fonds global de réparation pour les survivantes de violences sexuelles. Et aujourd'hui, je dois dire que ces fonds avancent, puisque le 30 de ces mois, ce fonds va être lancé à New York. Ce fonds, qui est une initiative des victimes de violences sexuelles, des survivantes, mais avec l'appui de ma co-lauréate Nadia Mourad. And so those reparations we've been asking now for about 10 years. We've been pushing the international community to implement those a global fund to actually being able to pay a reparation to those victims of sexual abuse. But actually this fund is progressing, is moving forward, and actually this month on the 13th of October it will be launched in New York. Based on the initiative of those victims, but also with my colleague Nadia. Et enfin, je crois que je voulais dire aussi un mot par rapport
au Conseil consultatif égalité femmes-hommes que j'avais co-présidé avec ma coloréate Nadia Mourad pour les G7, où nous avions travaillé activement pendant une année pour essayer de voir des lois sur le plan global, où on a invité les juristes de tous les continents, et on a essayé de voir dans chaque pays quelles sont les lois progressistes et comment ces lois ont été mises en œuvre dans ces pays, et pour permettre en fait à proposer au président des G7, où le Japon fait partie, comment ces lois peuvent, au moins les présidents, peuvent voter au moins une loi chaque année pour permettre à ce que le pays des G7, comme modèle, comme exemple, comme des pays le plus développés, puisse intégrer également l'égalité hommes-femmes dans leur processus. And finally, one word just to say that we've been working on a consultative council to get equality between men and women with my colleague Nadia Mourad, and we've been proposing this to the G7. We've been working on this for about 1 year. It's been fixing global laws, acts. Then we invited justices, judges from all around, from all the continents around the world, and then we proposed and we created progressive laws, and then we proposed those laws and acts to G7 countries, which Japan is a member, and just to make sure that at least G7 country can act as an example around the world to show that equality between men and women can be reached. In terms of equality. Yep. Et donc, dans ces conseils consultatifs, nous avons pu récolter ou sélectionner à peu près 79 lois que nous considérons tout à fait des lois progressistes et où nous avions fait la recommandation au président des G7 de pouvoir sélectionner les lois qu'ils considèrent être utiles pour leur pays, mais également que toutes les lois discriminatoires qui rejettent les femmes, qu'ils puissent les abolir dans leur pays, puisque même dans les pays des G7, on s'est aperçu qu'il y a encore des États qui ont des lois tout à fait discriminatoires. And so with this consultative council, we created like 79 laws. They are, of course, as you know, progressive laws. Then we show them to the G7's president, and we ask them. We recommended some, and we ask them to choose some that can be implemented at least once every year. But we also notice that even nowadays there are some discriminatory laws against women, against that equality between men and women, and we ask them to abolish those laws. In the G7 countries. Et ces lois visent spécialement de lutter contre les violences sexuelles faites aux femmes. Le deuxième axe, c'est donner aux femmes l'éducation et les droits à la santé sexuelle et reproductive. Le troisième axe, c'est donner aux femmes l'accès, donc l'accès à l'économie, donc les capacités sur le plan économique. Et le quatrième axe, c'est de pouvoir ouvrir beaucoup plus pour que les femmes aient accès en fait à l'espace politique dans le pays des G7. So they are mainly divided into four different groups of phase. The first one, of course, of the first group of laws is to put an end, of course, against violence, sexual violence against women. The second is to provide education and the right to have, of course, a healthy reproduction and right to have right to use your body as you please. And the third one is to provide women with an access to economy, to provide them with autonomy in terms of job. And the fourth one is to give them more positions, more responsibility in terms of political positions. Voilà, mesdames et messieurs,
Je crois que, en gros, je crois que nous pouvons recevoir vos questions par rapport à ces axes que je viens de développer. Je vous remercie beaucoup. And that's about it, ladies and gentlemen. Thank you very much. Now we can have your questions concerning or related to just what I mentioned and what I developed. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Mukwege. Thank you, everybody. Well, I'd like to open it for questions, primarily from the working press table. And if you can please tell your name and also your affiliation and your question, if we may have it short as possible, so that Dr. Mukwege can answer as long as possible. May I ask it for who wants to go first? You, sir, and then maybe, yes. Bonjour. Bonjour. Je suis Étienne Balmer de l'agence France Presse. J'ai deux questions pour vous. D'abord, une petite précision peut-être sur ce fonds qui va être constitué, vous dites, le 30 octobre. Est-ce que vous pouvez nous dire qui a déjà promis, quels États ont promis de l'abonder? Est-ce que ce sont des États ou est-ce que ce sont des groupes privés? Il doit être piloté? Et enfin, est-ce que vous avez déjà peut-être un montant qui a été promis pour constituer le début de l'enveloppe de ce fonds? Et ensuite, deuxièmement, une question peut-être plus sur le Japon. Au Japon également, il y a un passé douloureux autour des femmes de réconfort pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc j'aurais aimé souhaiter avoir votre point de vue sur la question. Est-ce que vous trouvez que le Japon a fait suffisamment dans cette affaire de femmes de réconfort? Est-ce que au contraire, qu'est-ce que vous pensez de cette polémique qui continue en fait à perturber beaucoup de relations avec ses voisins? Merci. Etienne Balmer for France Press. I'd like to ask you two questions. The first one is about that fund you mentioned that's going to be launched on the 13th of October. So who, when I say who, I mean which countries, or is going to be private funding? Who is willing and say that it will take part into that fund? And also, who's going to be in charge of leading that fund? And any amount that you could mention to us? That's about the first question. The second one is about Japan. as you may know, there's been a comfort woman during World War II, and do you think that Japan has done enough or not regarding that question? Thank you. En ce qui me concerne, le fonds global pour le survivant de violences sexuelles dans le conflit, c'est un fonds qui sera créé. Donc, j'ai dit, il sera lancé le 30 octobre de cette année, et ce fonds va faire participer les États membres des Nations Unies qui vont participer pour constituer ces fonds, mais nous faisons également appel aux fonds privés, des fondations ou des organisations privées qui veulent faire partie de ces fonds. Ça, c'est l'origine de ces fonds. Aujourd'hui, nous avons des pays comme la France qui a déjà donné 6 millions pour ces fonds. Il y a l'Union européenne qui a donné 2 millions pour une année. Nous avons l'Allemagne. Et je suis ici, comme on vous l'a dit, pour pouvoir également intéresser le Japon qui apparaît être favorable pour ces fonds. Et donc, nous espérons pouvoir engager les États de prendre la responsabilité pour constituer ces fonds. Et ces fonds que, comme je l'avais dit, va permettre de pouvoir faire une réparation pour les victimes et que la société n'a pas su protéger. En fait, je crois que... Ah, excuse-moi. I'm sorry. No problem. Regarding that global fund that will help victims of sexual abuse during conflicts, as I said and I repeat, it will be launched.
on the 13th of October this year, this month actually. And the countries that are going to take part in that fund are mostly nations from the United Nations countries. But also, we are calling for the participation of private sectors actors that could or willing to help us in that fund. In terms of which countries are given what, I can mention that France has been giving 6 million euros. Also, the EU, 2 million. Germany. I'm talking for about a year. And this is also why I'm here in Japan, because Japanese government looks also to be interested in helping that fund. And then we will take responsibility of the money that have been collected, and to help the victims that have been forgotten by, let's say, society, and help them to have reparation. L'administration de ces fonds se fera par un conseil d'administration qui sera constitué au niveau du conseil. On aura quatre États membres. Et le conseil va déterminer les critères pour être membre, et ça sera bien sûr rotatif. Il y aura les agences des Nations Unies, il y aura les survivantes, puisque, comme je l'avais dit, le fonds a été créé sur demande des survivantes, pour elles et par elles. Et donc, elles seront membres du conseil d'administration. Nous aurons également la société civile, qui va faire partie de ces fonds au niveau de l'administration du fonds. Ça va être constitué donc de cette façon. Alors, comment le fonds... We'll have a board, administration council, with four members, four state members, and they will determine which are the criterion that will define how those funds can be used. And of course, we'll have rotation regarding those four major state members. But also, we'll have a United Nations agency that will take care of the, on that board, and will take part in that board, and also survivors, because this fund has been created for survivors and by survivors. So we make sure that also they have their word to say on how this money is going to get used. But also civil society that will take care, that will take part also in that board. And private society. Yes. Bon, on va se retrouver certainement devant deux cas. Le premier cas, c'est le cas des pays qui veulent faire une réparation, des pays qui ne sont pas dans les dénis du viol qui s'est passé dans leur pays et qui veulent faire la réparation, mais qui ne peuvent pas, puisqu'ils n'ont pas de moyens, ou ne savent pas le faire. Ça sera le premier cas. Ils ne savent pas le faire, donc ils n'ont pas une expertise pour pouvoir le faire, puisqu'on a vu qu'il y a des pays qui ont essayé, par exemple, de faire la réparation, mais ça a été une catastrophe, puisque le concept de faire cette réparation n'est pas allé vraiment dans le sens d'aider les victimes de pouvoir s'en sortir. I think we're going to face two cases. The first one, we're going to face countries that that want to provide those reparation. They are not denying something happened, and they want to take care of this, and they want to provide, but they don't know how to provide. Also, they cannot, because they don't have funds, they don't have money. So in that case, if they don't know how, because they don't have expertise, I mean, they don't know how they could really provide in an efficient way the funds to the person that have been victims. We know that has been tried in countries and it has been a disaster. So this is the first case that we may face. And the second one will be... Et donc, le deuxième cas,
c'est des cas où le pouvoir est dans le déni total et donc ne reconnaît pas ce qui s'est passé, même s'il y a toutes les preuves que le viol a été utilisé dans le conflit. Et là, nous considérons qu'il ne doit pas y avoir des victimes qui sont laissées de côté. Et donc ces victimes pourront être également assistées. And the second case, and then we may find ourselves facing governments of power which completely denied that something bad happened. Even if we have proofs, even if all the proofs and all the signs are showing that rape was used as a weapon of war, they are not willing to do anything, or they're just refusing it in total denial. But we need also to take care of those victims as well. Et enfin, pour la dernière question, par rapport à la polémique en ce qui concerne les femmes de confort, je crois que nous faisons entièrement confiance aux États, donc le Japon et la Corée du Sud, sur leur maturité politique, de pouvoir continuer les dialogues par rapport à cette question et trouver une solution qui amène la paix. Et donc là, je crois que c'est, vous comprenez très bien que c'est un cas qui est déjà en cours où les deux nations en parlent. Et donc ça, ce n'est pas les cas où nous allons nous interposer, puisque déjà les deux nations reconnaissent qu'il s'est passé quelque chose et ils sont en voie de trouver la solution. And regarding the final questions, the final question, when it comes to comfort women, I totally believe that the two states are mature enough in the political aspect to talk and to find some dialogue and get to find a peaceful solution, which means that they are already talking, they're already having this dialogue, and I'm sure that they will find, and I completely trust those two countries to find a peaceful solution. But for us, I mean, what we are now going to do with that fund, this is not something like we are doing to do, because we also talking about countries that are in denial. So that's a different case. Yes, any other questions to you, sir? Please. Thank you very much, Dr. Mukwege. My name is Shogo Kawakita with Kyoto News, Japanese News Wire Service. In preparation for this press conference, I watched again your movie, The Man Who Means Women. And I was so moved again by your remarks that you believe in the future of your homeland because women who suffered from such tragedies try to overcome their experiences. Could you tell us something about their bravery here today? Thank you. Courage. Sarah, yeah. Je pense que c'est vrai que dans le film, et je reviens sur souvent sur le courage des femmes congolaises. Et je pense que ce courage, j'ai pu l'observer presque partout où j'ai pu rencontrer les femmes. Et je crois qu'aujourd'hui, j'y crois encore beaucoup plus, puisque quand je vois leur capacité de résilience, leur capacité de revenir à la vie, leur capacité non pas seulement de s'occuper d'elles-mêmes, mais de s'occuper de leurs enfants, de la famille, de la communauté, après avoir passé par une souffrance extrême, je crois que c'est une bravoure, c'est un courage exceptionnel. Et je crois que c'est sur ce courage que mon pays va se reconstruire. Yes, in that movie, I mentioned the bravery of women in Congo, which I observed almost everywhere I went. And today, I believe
even more in that bravery, this capacity to be resilient, this capacity to come back to life, and not only take care of yourself, but also of your kids, and to have a life in community, is something that is really astonishing. And I do believe that it's this bravery, it's this this courage that will help my country to be reconstructed. Les femmes que nous prenons en charge, non seulement elles guérissent, mais elles deviennent des véritables leaders communautaires et des agents de changement dans leur communauté après avoir passé par des situations qu'on devrait normalement considérer comme désespérantes et leur donner tout simplement à perdu à vue. Mais lorsque les femmes passent par les piliers, les quatre piliers que je viens de vous décrire, médical, la santé mentale, les aider économiquement à pouvoir être autonomes et leur donner la dignité par la justice, on sent très bien que ce sont des femmes qui sont épanouies et qui vont au-delà de ce qu'on peut compter sur elles, donc vraiment de véritables agents d'échange, agents de changement dans la société et transformatives de la société. Elles sont capables de changer, de transformer leur peine en pouvoir. Et ça, c'est formidable. Yes, so when we take care of those women, they not only heal, but they turn themselves into leaders of the community. even though they went through a very extreme and very desperate experience, they can move forward again thanks to those four pillars that I mentioned before, which are a medical approach, but also a psychological approach with helping them mentally, the economical approach, but also to bring them back dignity with justice and help them into a court. So these women are a real agent of change. They help to bring change in their community, and they do even more than we can expect from them. So they help to transform and change their community. And I think that the sorrow that they felt, they turned that sorrow and that pain into power. And I think this is something incredible. Yes, and if I may add, I listened to your Nobel lecture last year, and you recounted the story of one such woman, Sarah, I believe was her name. So I would urge everybody, if you have time, to please also listen to Dr. Mukwege's lecture to hear about what happened to Sarah, and then how, in the end, she saved herself, really, truly. Okay, we have three ladies here. So please, you first. Yes, yes, please. Thank you for today. My name is Akiko Minatoya. I'm a staff writer of GG Press. Today I have to tell you the Japan situation about rape row. The Japan rape law has been a little changed since it was established more than 130 years ago. Despite many women experiencing sexual violence, offenders are often left unpunished. So this year, a woman journalist has filed a lawsuit against a local government over sexual violence by a senior official. This local government is Nagasaki City. Nagasaki City has never offered any apology nor admitted the human rights violation. This journalist has believed she would have been protected because she was working to deliver necessary information to the public. But she was assaulted, so she was very disappointed now. In your biography, you say you had never thought you would never be attacked because the doctor's job is considered sacred.
So she had a similar feeling to you. So could you tell me about, could you give any message to the women journalists, assaulted women journalists in Japan? Or do you have any opinion to the Nagasaki mayor? He ignores sexual violence now. Thank you. Thank you. C'est dommage puisque les histoires comme celle-là, elles se passent partout au monde. It's very sad because that kind of story we can hear about, that's the same kind of story all around the world. It's very sad. Et je pense que c'est pour cette raison que le groupe, donc le conseil consultatif pour les G7 que j'avais co-présidé, s'est focalisé sur des lois qui permettent en fait de mettre à l'abri les femmes dans les G7, mais également dans le monde entier. Comme je viens de vous dire, il n'y a pas un seul pays au monde où on peut considérer que la femme est égale à l'homme. Pas un seul pays. So, as I said, in that consultative council that I worked for G7 and I co-presided, we try to focus on laws and try to protect women in G7 countries. But you have to know something, that there's not a single country around the world where women are protected by equal. There's one. She's equal to men. Where women are equal to men. There's not one single country around the world. Et donc nous sommes dans un système patriarcat que je crois que c'est la responsabilité de nous tous. Les femmes se sont battues pendant 100 ans après la deuxième guerre mondiale. Le monde s'est aperçu que après autant de disparitions d'hommes, où les hommes qui étaient au front, les femmes étaient capables de faire le travail et bien faire ce travail. Les femmes ont commencé à se battre pour leurs droits. Elles ont acquis beaucoup de droits, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à ce niveau où les femmes sont effectivement considérées comme égales des hommes dans notre société. So this system of patriarchal system, where we have, let's say, the image of the man leading the whole society, women have been fighting against that for about a century. And we realized that during World War II, when men were fighting at the front line, that women were able and were capable of working. And then after that, they were trying to fight for their own rights. But yet we're not in a society where men and women are equal. Et je pense que l'instrument qui perpétue ce système patriarcal, c'est le silence. Les femmes sont forcées au silence lorsqu'elles subissent les violences sexuelles. And I think that, let's say, the instrument that helped to keep this system, to keep it going on, is silence. Because most of women, when they are victim of such violence, they cannot talk, they stay silent, and this is why it keeps going on. C'est puisque notre société, tout simplement, met la honte sur la victime au lieu de mettre la honte sur le bourreau. Et donc les femmes sont obligées de se taire et au lieu de dénoncer ce qui leur arrive. And unfortunately, in our society, when there's a rape case, most of the time, the shame is put on the victim, not on the perpetrator. And this is why women, when they are a victim of such acts, they just keep silence. Et lorsque la femme brise le silence, comme la journaliste, souvent elle est pointée du doigt, elle est humiliée pour la deuxième fois. Elle a été humiliée pour avoir subit les harcèlements ou les violences sexuelles, mais lorsqu'elle dénonce, elle est humiliée pour la seconde fois, puisque souvent, les questions qui sont posées aux femmes, il n'y a aucune femme qui peut y apporter la réponse. C'est le mal les amener à une seconde humiliation.
Et je pense que pour cette journaliste, moi j'ai dit, tenez bon, never give up, vous avez raison, il faut continuer à se battre, puisque le monde ne changera pas par tout le monde change par un individu qui croit dans ce qu'il est en train de faire, que c'est juste et qu'elle peut continuer à se battre pour la justice. And so, when they break silence, when victims, when women break silence, they find themselves with fingers pointed at them. And this is where they get humiliated for the second time. Of course, they get humiliated the first time when they were victims of those sexual abuses. But now, after denouncing those abuses, they get fingers pointed at them like they are humiliated for the second time. Then they get asked questions that no woman can answer, and so that's what like you mentioned for that journalist, she's now broken that silence and she's fighting. What I'm saying to her is just hold on, never give up, continue to fight. And because it's not the world is not changed by everybody, but not all people, but just sometimes one person can change the world. So just keep on fighting and don't give up. Okay, thank you. We have one question here, and then one or two questions, please. We only have 8 minutes left, but if you are happy to stay for five more minutes, perhaps? No? Maybe five more minutes? Okay. So please, let's go, and please be short. So. That works for everybody. Well, thank you for your time today. Well, my name is Nao Takatsuka with NHK. Well, I have three questions. Well, first one is, since winning the Nobel, well, where has been the main focus of your efforts? And what have been your biggest achievement? And the second question is, well, how has winning the Nobel affected your activities? And the third question, last question is, well, are the leaders of your country in Congo being more supportive of your missions or activity? Thank you. Oui. Mon plus grand focus pendant cette période, c'est vraiment se battre pour la justice et la paix. Parce que je crois... Même dans mon discours, je l'avais dit, on ne construit pas la paix sans justice. Et donc, aujourd'hui, je me bats pour que la justice puisse primer. On a essayé, par exemple, dans mon pays, à sacrifier la justice sur l'autel de la paix. Et aujourd'hui, nous n'avons ni paix, ni justice. Et donc, ça, c'est mon focus le plus important. So what I'm trying to focus the most is what I'm fighting the most for is justice and peace, because as I mentioned, you cannot have peace without justice. Unfortunately, in my country, we try to sacrifice justice to get peace, and we just finished to have neither of them. Ce que j'ai pu accomplir. Je crois que la machine est allée plus vite vers la réparation, puisque je suis très très content de voir que je me suis battu pendant 10 ans pour demander aux États, à New York, de pouvoir avoir un fonds global pour les victimes de violences sexuelles. Ce fonds va être lancé donc le 30. Et je crois, pour moi, ça, c'est un grand accomplissement, puisque il est très, très important que nous puissions réparer ce que nous n'avons pas pu protéger. So regarding my biggest accomplishment, I mean, the whole thing has been going more in the reparation. Accomplishment. So I've been fighting for about 10 years, asking countries around the world and states in New York to have a global fund. And now, as I said, we're finally going to have this fund on the 13th of October this year. So for me,
This accomplishment is very important. It's very, very important because now we can at least give reparation to a woman that we were not able to protect. Et donc la troisième question, c'est comment le prix Nobel a affecté mon travail dans mon pays. C'était ça, je crois. Oui, et est-ce qu'il y a un soutien aussi de votre gouvernement au Congo? Bon, je crois que le soutien de mon gouvernement, il est timide. J'ai rencontré pour la première fois le président de la République il y a une semaine et il a accepté de soutenir ces fonds, ce qui est déjà positif puisque l'ancien gouvernement était dans le déni total. Et je pense que le progrès vers l'acceptation, pour moi, c'est très positif, mais j'attends beaucoup, puisque je pense que la réparation doit être faite par les États. Et le fonds ne pourra intervenir que lorsque les États ne sont pas capables. Et pour mon pays, je crois qu'on peut faire encore beaucoup, et j'espère que le gouvernement vient d'être élu seulement il y a un mois. Donc, j'observe et je suis dans l'expectative. And so to answer your final question regarding the support I have from my government, let's say it's not that very, very, let's say they're a little shy to help. I just met for the first time the new president a week ago. But still, I'm very positive about this because the former government they were into deny, they were completely denying. So first of all, to accept what happened in terms of in the level in the government level, I think this is very, very positive because it has important for reparation to be done by the states. The reparation has been done by the states themselves. So in my country, I think we can do better. But of course, it's all fresh. They have been elected just a month ago. So I'm just watching and hoping for the best. Okay, I think you had a question, and then Eugen, please, and then we finally, as long as we have time. Bonjour, Joanne Fleury pour Ouest France. J'aimerais bien savoir en fait quel sera votre programme au Japon. Donc, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus et vos espoirs par rapport à cette visite au Japon. Vous avez parlé un petit peu plus tôt du fait que le gouvernement japonais était peut-être intéressé pour participer à ce fonds-là. Or, au Japon, le discours politique pour l'égalité des sexes, il est plutôt optimiste, mais dans les faits, dans les actions, il ne se passe pas grand-chose. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre visite et sur votre espoir? Je crois que si les discours sont positifs et les faits sont contraires, je pourrais les dire à la fin de ma visite. I'm so sorry. Can we just very quickly end the translation for those who don't speak? So for West France, I just would like to have your schedule in Japan. What is your program and what are your hopes? Because you said that the Japanese government would be interested to take part in the fund. Also in Japan, in terms of equality between men and women, in the speech, of course, sometimes it's very neat, it's very nice, but in reality, it's a different story. So what can you say about that? Et donc, j'ai dit que si dans le parole, ils sont positifs, mais dans les faits, ils sont négatifs, je ne pourrai les voir qu'à la fin de ma visite. Je ne pourrai pas les dire avant. If only when it's about to talk, when it's only in the speech that they are positive in terms of trying to get equality between women and women, but in the facts, it's actually negative because they're not following what they're saying. I will be able to tell if it's true or not only at the end of my visit in Japan. Je suis désolé, je peux pas prophétiser. For now, I'm sorry, I cannot prophetize, I cannot say anything in advance. Donc, mon programme, effectivement, cet après-midi, je vais rencontrer le responsable de la coopération internationale japonaise. Et donc, nous allons spécialement discuter du centre d'excellence que nous allons créer à Panzi, un centre qui vise à former
les autres médecins, les psychologues, pour les quatre piliers sur le modèle holistique, puisque notre objectif, c'est faire l'expansion de ces modèles dans d'autres zones de conflit. Nous allons commencer avec AFD, vous êtes de l'Ouest de France, donc Agence française de développement, à Bangui, en République centrafricaine, au mois de novembre. Mais les personnels à Bangui ne sont pas formés, viendront être formés dans notre hôpital pendant que notre équipe ira là pour une année. Et nous sommes demandés également dans le pays comme l'Irak, à Sinjar, où nous avons également besoin de mettre en œuvre ces modèles. Et donc, il y a beaucoup de pays, Guinée-Conakry, etc., qui souhaiteraient avoir ces modèles de one-stop center. Et dans le cadre de l'expansion, nous avons besoin d'avoir une infrastructure qui nous permet de faire la formation, la prise en charge et la formation à Panzi. Ça, je crois que c'est une question que je voudrais bien discuter avec la coopération japonaise, si ils peuvent nous soutenir pour ces projets. Et effectivement, pour le Global Fund, j'espère pouvoir en parler aussi avec le Premier ministre, puisque je crois que le Japon pourrait trouver bien sa place dans ce fonds global sur les réparations. So regarding my program, this afternoon I'm going to meet with the person in charge of the cooperation, international cooperation in Japan, and we're going to discuss the creation of a center of excellence, a center of excellency in Panzi, where we're going to train doctors, psychologists, all people related to the four pillars I mentioned earlier. And our objective is to expand that model where it's needed. We're talking of a country like Centrafrique, when they need a hospital in Bangui. We're going to dispatch some of our members there. Then we're going to take care of those doctors working there to form them, train them. But not only there, also in Iraq, in Sinjar, also Guinea-Conakry. We try to expand that model of one-stop center where it's needed. But for that, we need to have the right infrastructure in Panzi to train and get the right knowledge and provide the right skills to those person. So I'm going to talk with the person in charge of that in Japan, in international cooperation in Japan, and I'm also going to meet with the Prime Minister, since I think that Japan has its place in that global fund, so I have good expectations regarding this. Okay, one more question, and please go ahead. And that's the last question. I hope it's a short one. Siegfried Niedl, freelancer from Germany. Do you have also to do with the problem of female circumcision in Africa, in this area you live? I think it's different from rape, but I think female circumcision is a big problem in Africa. Je crois que tous ces problèmes qui sont liés à un rapport de force entre hommes et femmes, qui sont plutôt des rapports de domination, considérant la femme beaucoup plus comme un objet, font partie de la lutte que nous menons. Et dans ce cadre, par exemple, au Burkina Faso, nous voulons beaucoup plus travailler pour, puisque la loi l'interdit, mais ça continue à être fait avec des conséquences dramatiques sur les femmes qui subissent ces mutilations sexuelles. Et donc, là aussi, vous comprenez qu'il y aura la prise en charge médicale. Une femme qui est mutilée psychologiquement, elle n'est pas bien. Et effectivement, il faut absolument les aider sur le plan juridique. Et donc, c'est dans ce cadre que nous faisons l'expansion vers des pays comme le Burkina Faso. Yes, of course, the female circumcision is also a part of all this
this strength conflict to know who is dominating who between men and women, because in those parts, I mean, globally, people, men always consider women as an object. So it's part of our fight. For example, in Burkina Faso, legally it is forbidden to do it, but still they keep on doing that female circumcision. So with dramatic, with very, very deep mutilation, not only physically, but also mentally. So it is this that we're trying to do in terms of helping them in the legal level to provide them with lawyers, and so they can fight their own case in the court. Well, thank you very much. I'm afraid this is all we have time for today, so I'm concluding the press conference. And as our appreciation for you, Dr. Mukwege, this is an honorary membership of Foreign Correspondents Club of Japan, so that you can come and visit us again. Thank you so much. Thank you very much. Please be seated while our guest is taking his leave, and thank you very much.